C'est pour Damned. Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour un deuxième épisode de Ozymandias en multi. Et on lance une nouvelle partie, mais personne rejoint. Vous voyez ma partie ou pas? Ah, ça y est, Gecko rejoint. J'étais en train de cocher des cases. En fait, du coup, comme je voyais pas la partie dans le lobby, j'ai quitté le jeu pour vérifier que c'était pas le jeu qui avait un problème. Du coup, faut que je relance le jeu. Non, mais Gecko 126. Oh, j'ai jamais joué. J'étais à 100 tout à l'heure. Non, mais c'est vrai qu'il y a un bug sur les trésors. Parce que même moi, il me dit toujours que j'ai 4 parties complétées. Alors qu'en vrai, on avait fait que 2 tests avec Malvin. Et là, je marque 63 trésors, quoi. Donc on est d'accord, personne ne prend les bretons et le signe noir ne demande que les bretons. Hein. C'est ça. Alors, moi, je peux vous, à chaque fois que j'ai joué sur cette carte, les bretons se sont fait déglinguer les premiers. Bah, j'imagine que c'est pour ça que c'est très difficile. Non, mais j'ai pas. Non, mais sérieux, j'ai pas la partie dans le lobby. Tu l'as créé? Ouais, c'est 2 minutes par tour méditerranéen. On est 4 dedans déjà. Ouais, je l'ai pas. 5 gâteaux. Ouais, bah merde. Ouais, mais en lançant le jeu tout à l'heure, il a fait une mini mise à jour. Alors... Ah, ils auraient sorti un patch depuis tout à l'heure. Alors, j'espère que du coup. Attends. Ouais. Attends. Ils auraient vraiment fait ça? Ah oui, effectivement, il y a une mise à jour en attente d'Ozymandias là. Bon, bah allez, let's go alors. Ah oui, je l'ai aussi. Ouais. Bon, on ferme et on fait la mise à jour. C'est pas comme si on avait le choix. J'avais oublié d'enlever la pause du record. Hop, on est lancé, pardon, excusez-moi. Je refais un petit passage. Les Mycéniens sont une IA, les Xitites sont Gaelden, les Égyptiens sont Damned, les Scythes sont Malvin, les Babyloniens sont Gecko, les Carthaginois sont une IA, les Allemands sont Morgane, les Cimériens c'est Zikino, les Gaulois c'est moi-même le Cygne. Et les Bretons, c'est une IA. Donc Damned, toi tu vas taper sur le Carthaginois. Oui, je veux juste emmerder le Breton par pur esprit de combat, voilà. Alors qu'en vrai il va aller par là, hein, je sais très bien, mais... Ça, c'est probablement une mauvaise traduction, je pense que je représente les Germains de manière générale. Donc oui. On est d'accord. J'ai report le fait que l'Allemagne s'appelait l'Allemagne, et pas la Germanie. Ah oui, c'est un peu étrange. Tu peux faire un report de ça, IRL aussi. L'Allemagne, c'est un enfer. Elle a un nom différent dans toutes les langues. C'est vrai. C'est pas les Pays-Bas qui ont un peu ce problème-là aussi? Beaucoup moins. Ouais, non, c'est en français qu'on leur donne déjà deux noms. J'ai jamais compris pourquoi. Damned, donc t'attends. Ah, c'est moi! Excusez-moi, je croyais avoir cliqué. Voilà. Non, mais de toute façon, le tour est fini automatiquement, donc... Ouais, au pire. Donc on est d'accord, Malvin est tout en haut à droite, c'est une petite tache rouge, et à la fin de la map, il va arriver d'en haut à droite, et il va recouvrir jusqu'en bas à gauche. C'est ça. C'est l'idée. Très bien. C'est ça. C'est bien comme ça que je l'avais compris. Donc là, je prends ça. Ça nous, on appelle ça l'Allemagne en référence à la tribu des Alamans. Il y a les Estoniens et les Finlandais qui les appellent Saxa en référence aux Saxons. Ça se tient aussi. Une bonne partie des. Enfin, l'ex-Yougoslavie et les Slaves qui les appellent Niemcié ou un truc du genre en référence à encore une autre tribu. En slave, le nom des Allemands, je crois que ça veut dire littéralement ceux qui ne parlent pas. Muets. Ah d'accord, ouais, les barbares. Ceux qu'on ne comprend pas. On les appelle les barbares en fait. Voilà. Littéralement. C'est négation suivie du mot pour dire qui est cultivé, qui parle, qui est intelligent, civilisé. Ah, les mecs ils se pointaient, ils sortaient leurs épées, ils tatanaient la tronche, donc voilà quoi. Ouais, parler c'était pas leur truc. Voilà. C'est pas les négociateurs. Et après, il y a. On attend Malvin et Gaelden. Gaelden est fini. Ils appellent correctement Germania. Faut dire que Malvin, il a des choses à penser. Hein. Bah, comment dire, j'ai pas un start super facile non plus. Heureusement. Oh, hey, hein. Ça suffit. Bah, écoute, on nous a vendu que t'étais un méga joueur. Hein. Un dieu même. Au moins. Oh, 3 de pognon par forêt? Oui, merci. Ah. C'est juste quand même intéressant. Forêt plus avant. J'ai pas pris ça.
alors. Non. Je vais effacer mon tour. J'en ai ça. Bon, c'est pas très grave. Voilà. Et avec ça. Ouais, on va faire ça. C'est la misère. Gaelden ? Ouais. C'est toi le Hittite. Hein. C'est moi, oui. Je propose un truc. Je te laisse tranquille jusqu'à ce que j'ai fini les Cimériens. Mais non ! Qui les Cimériens ? Je te propose un truc, t'es deuxième sur la liste. C'est ça. Je te laisse tranquille et une fois que je serai bien badass, je m'occupe de toi. Je fais un RP mongol, c'est-à-dire je passe pas par le sud, je passe par le nord. Secours, il y a des avantages pour l'armée et moi des désavantages. Putain. Je propose un truc, on fait la paix, mais quand je suis assez puissant pour t'écraser, je t'écrase. C'est énorme. Vu l'époque, t'es plus les Huns que les Mongols. C'est pas faux. Bon, t'es ni l'un ni l'autre, puisque t'es les Scythes, mais... Ah, punaise. Ouais, on va tenter ça. On va tout de suite, on va le prendre. Non. D'abord. Ouais, se développer un peu. Ça. Puis. Ça. Il y a un petit bug sur la pop-up pour la production de richesse. Par. Okay, ça me va. Bon, avis à mes voisins, moi je compte tabasser en priorité les Bretons. Ça me paraît pas logique. Chercher des noises. Et moi les gars, je vais pas être content. Ça tombe bien, moi je compte me faire tabasser en premier. Désolé. Je suis désolé. C'est pas ma faute. Zitino, On va essayer de se défendre. On va essayer de faire le mur face à l'envahisseur. Et bonne nuit, Chobiti. Merci d'être passé. Protège-moi de la horde. Bonne nuit, Chocho. Bonne nuit, Chocho. Bonne nuit. Trinque c'est aussi. Allez, tout le monde trinque. Toi, c'est pour mon cul qui vient. Damned a payé, tout le monde trinque. Ouais. Allez, buvez. Santé. Ah, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Non, mais ça c'est non. Combien j'en ai ? Ça. Du coup. Oh non, la loose. Ça sert à rien en fait, ça. Je peux déjà plus rien faire de mes technologies. Enfin, j'en gagne pas assez plutôt. Je peux faire. Ah, je peux faire ça. C'est tendu quand même, 2 minutes, hein. C'est... Non, ça va. Dit-il. Pas le problème. Pas le temps de niaiser. Ah bah ça c'est sûr, t'as pas le temps de niaiser. J'attends. Probablement dû prendre une techno de combat dans les forêts. Ligne 38 qui reprend, on trinque. Allez les gens, on trinque. Il faut de la flotte, bah j'ai le temps, le tour est pas fini, je vais prendre à boire, tiens. L'avantage du casque sans fil comme on dit. On dit ça. Et là je passe et il y a Malice tranquille dans le canapé sous son plaid qui a un Twitch en grand et qui regarde la partie, elle doit pas comprendre grand chose. C'est sympa, tu vois, il y a des hexagones de toutes les couleurs. Je suis là moi, regarde là, c'est moi ça. Coucou Malice. Je suis là. Hein ? Elle s'endort. Elle s'est endormie devant le jeu. Trop bien. C'est ça l'amour. Non mais j'avoue que si t'es fatigué calé, c'est pas le jeu le plus passionnant à regarder. Hein. Elle est prévoyée 21 minutes. Allez, on trinque encore. Encore ? Et Smuf qui follow, merci Smuf. Hein. Et du coup, on retrinque pour fêter ce follow. Merci à toi, Smus. Musée. Attends, là on est à
De plus. Ouais. Moi, je remarque quand même, Malvin, il m'a dit qu'il me foutait la paix. Qu'est-ce qu'il a pris comme technologie ? La baston sur les collines. Hein. Bah oui, mais justement, j'avais peur que tu et le toi et le Babylonien, vous veniez derrière. Alors, excuse-moi. Je dis ça, je dis rien. Non, mais je te comprends, mais ne t'inquiète pas. Ouais. Tu ne fais pas partie de mes... C'est tes premières cibles. Merci, mais par contre, la deuxième... C'est ça que je voulais faire, c'est pas ça que On a même un Prime. Merci, Schmuff. Ah oui, merci, Schmuff, pour le Prime, oh. Effectivement. Ouais, fort sympathique de ta part. Hein. Ouais, j'adore quand Smith donne des primes, c'est ma deuxième chose préférée dans la vie. Malice qui m'envoie un message en me disant « Moi, j'ai juste compris que Malvin allait bouffer tout le monde, c'est tout. » C'est déjà pire. Merci Schmuff, bonne Merci soirée Merci beaucoup à toi, Smith pour tout. Passé. Ciao, ciao. Putain, mais je suis là. Tué en forêt et puis la forêt me rapporte rien, c'est abusé. Et là, prendre des technologies de forêt. Oui, mais pour ça, faut avoir des points de science. Et bah, prends la technologie de science. Allez, moi, c'est Allemand qui sort direct des armées, là. Oh, j'ai oublié ça. Refusé. Fuck. Sur une. Ouais. Cherchez ça. Ah, je suis avant-dernier. Ah, je suis bien. Ça va commencer à être mieux là. Ouais, d'accord, je suis sur une case désert là. T'es pas encore. Ah oui, c'est vrai que t'es au Canada, c'est la fin de l'après-midi. Bah, du coup, bonne fin de journée. De fait. Ah, zut. Voilà, on aura 28. Ah, la technologie des arcs gratos, ça fait plaisir. Oh oui, dis-moi. Genre, t'as eu ça ? Non. Si, si, en bâtissant juste une ville dans le désert. Oh putain. J'espère que t'as un problème qui était bien cher, genre la bouffe. La bouffe. Ouais. Surtout qu'elle me coûte 25% de plus, comme je suis industriel, donc... Ah oui. Oh, le cumul. Oui. Donc la bouffe, parce qu'elle était à 130 et quelques, je crois. Du coup, effectivement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10... T'as gagné genre une douzaine de bouffe partout, là. Ouais, ça va commencer à être intéressant, là. Non. Tu regardes... Ouais, c'est ça, t'as 13 cases de désert. Non. Probablement encore plus, vu que tu vas en avoir revendiqué, je pense. À ce tour-là, non, j'en ai pas revendiqué, non. D'ailleurs, c'est toi qu'on attend, Amnet, si t'as pas passé. Ouais, pardon, parce que j'étais en train de réfléchir à un truc, je suis désolé. Le missing... Mais le grec aussi, c'est plaisir, je veux dire, ouais. Pas dire, mais... Ah oui, mais... Ouais. Placer 10 drapeaux en un tour. Ouais, pareil. Va crever, quoi. Avec les bonnes réductions de oui, coups de drapeaux, oui, ça se fait. Et développer... Et développer toutes vos villes en un tour, c'est sympa aussi. Ouais, ça. Ça, c'est quand même une mission que je ferai jamais, vu que moi, mes villes coûtent plus cher. C'est ça, moi aussi. Et je veux dire, ma ville de base, elle me coûte 84 de bouffe à développer. Alors. Si on lance on met un drapeau sur une case, elle ne rapportera qu'au tour d'après. Oui. Ouais. Donc on peut pas. En gros, quand t'as fait tous tes calculs, si t'arrives pas à une production, par exemple, si je veux 100 de science et qu'il me dit que je suis à 98, en étant à 100%. Je ne pourrais pas l'optimiser mieux, à moins d'avoir une carte qui me donne tout de suite de la science ou autre. C'est mort. Même s'il achète des territoires, c'est mort. Ok, merci. Donc, c'est pas la peine que je m'emmerde. Parce qu'en fait, les territoires que tu revendiques peuvent être revendiqués par quelqu'un d'autre. Donc, c'est pas grave de les avoir. Ouais. Le jeu ne peut pas tout de suite te donner ce que tu rapporterais. Évidemment. On attend encore Damned. Oui, bah excusez-moi, j'ai 2 minutes, hein, je rappelle. Bon. Je vais pas dire que je les prends à chaque fois, mais laissez-moi calculer. Laissez-moi réfléchir à mes déserts à prendre. Voilà.
Exactement. Est-ce que je prends le désert numéro 1, le désert numéro 2 ou le désert Putain, numéro mais... 3 Je les prends tous. Allez. Là. Hop. Le mycénien, il est fat quoi, sérieux. Ah ouais, non, mais il se bat là, le mycénien. Là. Bah, focus mycénien alors. Bah, c'est. Ouais. Y'a qu'à. une petite extraction de sel. Oh 3 d'or par colline. 3 d'or par désert. Un petit 45, c'est toujours ça de prix. Alors. Qu'est-ce que je peux faire avec ça, moi? Ah, mais oui, mais non! Mais tu peux pas faire grand-chose pour l'instant. Dessus. Ouais. Mais l'autre, là, il commence à être agressif. De qui tu parles? Breton. Ah non, 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 il est pas agressif. C'est à cause de moi, je le repousse. Oui, je sais, mais... ça impose quand même, ça impose quand même des tatanes, quoi. Alors du coup, oui, de fait, il conteste ton territoire. Mais c'est pas de sa faute. Ouais, Lolita, elle disait ça aussi. Pardon. Mm-hmm. Tu fais référence à la chanson? Ça... ça... J'aimerais bien voir ça. Parfait. C'est juste un de force de plus, ça devrait suffire. Mais avec 2 minutes, il reste 30 secondes à chaque fois. Hein. C'est... si tu loupes le début du tour, c'est chaud. Large 30 secondes. Le truc, c'est qu'on est en début de partie. On a... bon, c'est ça. Après, t'es censé finir ton tour vite, comme ça tu peux réfléchir à la suite pendant que les autres jouent. Oui, mais t'es aussi censé t'adapter à ce que les autres ont fait. Quelques années de football. J'ai fini mon tour à 2 secondes de la fin. Quelques années de Blood Bowl et ça passe. Voilà. Je sais pas. Ah, du coup, le... oh. Et ça voulait jouer roleplay mongol, non? Du coup, il... c'est vrai ça. Oh là là. Je vais partir sur Bagdad d'abord. Le mytho. Je vais partir sur Bagdad d'abord, comme ça. Oh putain. Le mytho, quoi. J'avoue, pas très honnête ça, monsieur. Pas du tout, même. Ah, bon bah d'accord, focus l'égyptien après Babylone. Salaud. Ce qui me... je peux rien faire en plus. Ouais. Babylone, il en est où, lui? Ah, si, ça c'est bien. Et. Avec un peu de chance, Gelden va en profiter, mais je sens qu'il va pas le faire. Même pas me défendre. Gelden, il va devoir se battre contre le mycénien. Oui, c'est vrai que oui. Donc, il va pas profiter de grand chose. Il a l'air de t'embêter, le monsieur, oui. Je... ah non, il me faut. Attends, j'ai regardé avec Elden, c'est les Hittites encore. Ouais, effectivement, mycéniens qui ont commencé à se lancer à la conquête des plaines. Qu'est-ce que je fais de mes sourds? Mais je ne sais non, pas. Ah, c'est une IA en plus, les mycéniens, hein. Ouais. Aucune excuse pour pas lui casser la gueule alors. C'est ça. Ouais, non, mais carrément. Bon, Carthage aussi. Carthage, ils sont balèzes, en fait, gaffe. Carthage, ils sont très 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 forts en late game. Carthage, c'est lequel? Carthage, c'est les verts. Le vert foncé en bas, là. Il va prendre les montagnes, d'ailleurs, Carthage. Mm. Vas-y, 3 cases d'un coup, là. Oh, Malvin, quoi. Pff, la violence. Voilà. Ah, bah, je suis désolé. Voilà, tu vas pouvoir reprendre. Je suis désolé. Tu peux, oui, tu peux. Putain, mais t'es déjà 4 en force, mais qu'est-ce que tu veux faire? Écoute, je suis militariste, j'y peux rien. C'est pas ma faute. Va militarer plus loin là-bas. C'est pas ma faute. Va militarer plus loin, va voir si j'y suis. Essaye pas de te trouver des excuses, Mamie. Ah, j'avais pas vu ça. Euh.
Du coup, signe, ces terres que t'as perdues, je vais les reprendre, d'accord ? D'accord. D'accord ? D'accord. Tu peux l'air, tenter. Alors, on a dit... Tu as dit qu'on avait trouvé un accord. Sachant que si tu les revendiques, il y aura ben, une contestation de force. Mince, et mais vu non. Vu que j'ai des unités, pas toi, je pense que je n'en ai plus. Ah, par contre, quand tu dois améliorer un truc, ne pas voir combien ça te coûterait pour améliorer le plus cher, quand tu peux améliorer gratuitement. Ouais, c'est un peu frustrant. Parce que tu veux améliorer à quoi là, je peux te dire. Ah, si, il faut passer sa souris et maintenir. Ah, quand tu surveilles, dis. Juste. De quoi pour améliorer quoi ? Quand tu améliores en tout cas une ville gratuitement, si tu passes ta souris dessus, tu vois laquelle te coûte le plus cher. Ah ! Mais pour les technologies, je suis pas sûr. Est-ce que j'ai passé ? Non, j'ai pas fini mon tour. Ah, c'est Gaelden qui a pas passé là. Ah bah Gaelden, il est en PLS. Il sait pas quoi faire. Ah, en vrai, Gaelden, t'es pas si mal. Non, je suis pas si mal que ça, mais je suis complètement coincé, quoi. Ouais. Ah bah là, faut y aller au fight, ouais. Bah, j'en ai eu une. Effectivement. Attends, Jikino, qu'est-ce que t'attends pour aller conquérir Malvin, bordel? Le laisse pas s'étendre. Ouais, vas-y, attaque-le. En fait, je suis à 20, 30 de chaque et construire une armée, c'est compliqué. Faut vraiment que je le vise, quoi. Ouais. Il a une armée, le mec en bas là aussi. Je suis dans la merde. Dis-moi que t'es dans le mal. T'as 62 balles, tu peux sortir des dis-moi armées. Dis-moi que tu souffres. T'as 62 balles et 46 de bouffe, quoi. Tu peux quand même te permettre de sortir des trucs. Oui, bah ce tour-là, je peux pas, mais oui, je vais essayer quand même. Évidemment. Ouais, pauvre Gecko. Pauvre de moi aussi. Je te rassure, je suis le prochain sur la liste. Hein. Ouais, t'es un peu plus loin, il y en a deux avant toi quand même. Ouais, ça dépend, Gulden il est pas obligé. Hein. Ouais. Ouais. C'est pas si facile. Ouais. Ouais. À côté quoi. Alors, il n'y a pas d'objectif pour avancer une civilisation, mais il y en a un pour capturer une ville. Ouais. Je pense que j'irai me faire York. Je ne pense sincèrement pas que les Bretons sont dans une position où ils peuvent résister à l'invasion viking. L'invasion yorkaise. Je me permets de dire viking parce que je possède le Danemark et que les cultures scandinaves comptent comme des cultures germaniques. Voilà. Ouais, c'est pas fou. Et voilà, l'autre il est arrivé avec son armée là, il m'emmerde! Mais je t'ai dit que les Carthaginois fallait pas le laisser s'étendre! Oui, bah j'ai entendu, mais bon. Non, mais faut arrêter avec ça. Je fais qu'est-ce que je peux, ok? Qu'est-ce que tu peux, c'est pas assez! C'est la guerre! Ouais, quelque chose comme ça. Tiens. Wapiti! L'idée. Wapiti? J'aime le Wapiti. Ah. Voilà, je vais te faire une armée. Cool là, fais chier là, bordel. Obligé de faire une merci armée, pour ton follow, Wirozen. Eh, c'est Wiro. Il est encore là. Prononce bien. Oui, en effet, il sera heureux. Quand Wiro est heureux. Tu es heureux. Bah, je sais pas, il sourit, j'imagine, comme tous les humains. Il sourit, je suppose. Je sais pas, ça fait quoi un humain qui est content. Je crois. Ça remue la queue. Ouais, mais je voulais pas le dire justement ça.
On sent que la soirée commence à être avancée là. Est-ce que j'ai le pire coloc ou est-ce que j'ai le meilleur? Je ne saurais pas dire. Dans le doute, j'ai le pire. Je fais ta blague à ta place pour en prendre la responsabilité pour pas que tu te fasses virer de ta chaîne. D'accord, c'est beau, l'amitié. Ouais, j'en préférais la tienne entière. Moi. Toujours c'est drôle, moi. N'imitez pas mon regard, par pitié, c'est le pire. Malvin qui réfléchit, là. D'ailleurs, je remarque que Damned, j'essaye de ne pas être trop violent non plus. J'essaye. Rentre dans l'art. Écoute, vas-y, de toute façon. Damned, t'as pas assez de ville pour un égyptien. Ouais, d'accord. Ok, oui, merci. Je sais que j'ai pas assez de ville, je sais. En plus, t'as pris la bouffe dans le désert, donc tu dois en avoir, t'as pas d'excuses. Oui, non, mais il a plein de bouffe, il croule sous les ressources, mais il les dépense pas. Et c'est moi, particulier. Je perds de région et je regagne pas. Non, mais c'était juste pour faire une opportunité. Après, promis, je retourne taper le babylonien. Mais pourquoi? Je suis pas venu là pour souffrir, ok? Et pourtant, tu vas tellement douiller. En fait, je suis limité en technologie parce que j'ai que 3 types de terrain. Enfin, 4. Mais il y en a un, c'est la flotte. Et du coup, en fait, je peux pas dépenser mes technologies. Malheureusement, je perds. Hein, terrible, ces gens qui se plaignent. Ah ouais. C'est marrant, de ma part. Mais où va le monde, quoi? 3 unités, 1 via la tech. Putain. Non, non, je pourrais pas. Et là, 2. On va manquer 1 là. Faisons ça. Comme ça. Terrible, c'est terrible. Pas obligé d'économiser. Dis donc le signe. Oui. J'espère que tu vas pas rester au bord des frontières en fait, si je m'énerve. Là, je reprends ma rivière. Je vais essayer. Une rivière, c'est la Seine. C'est pas faux, cependant. C'est une rivière qui ne connaît pas. C'est ma scène. Ah. Putain, mais... Quel enfer. Ouh. Alors là, Damned a une occasion de tuer son unité. Bah oui, justement, c'est ce que je voudrais faire. Mais comment? Bah, c'est chaud, parce qu'il peut pas les couper. Faudrait que le Mycénien l'aide, mais... Bah ouais, faut que je fasse une deuxième armée, quoi. C'est marrant. Ce que je ne peux pas faire. Dis donc, le Cimérien, là, tu crois que je te vois pas? Oui. Non, mais c'est bien tenté. C'est bien tenté. C'est bien tenté. Mais le problème, c'est que ça m'énerve un peu. Ouais, vas-y, énerve-le. Encore, s'il te plaît, encore, pitié. Ils sont à se battre pour savoir à qui je tape en premier, quoi. C'est beau, hein, mais comment dire. Je suis pas sûr que ce soit ça qui vous sauve, les gars. En plus, je crois que ça sert à rien. Faudrait que je t'amuse. Ah ouais, non, mais c'est mort. T'es trouvé. Ouais. C'est qui s'étouffe? Coloc. Ah. C'est encore lui? Encore lui? Mais il n'est pas encore décédé. C'est ce que je vais dire. Mais laissez-le crever tranquille. Il n'a pas encore déphasé hors de ses attractivités, donc oui, il est toujours là.
Et regarde, Cimérien, sérieux, il y a le Mycénien qui est en train de te bouffer à l'ouest, là. Non, il est parti. C'est con. Ah, il est parti parce que moi, je le menace d'un côté. C'est pas possible. Oh non, Damned, t'es sérieux. Bah écoute, voilà. Putain, bah, mais j'ai même pas de quoi m'acheter une autre armée. Aucune case menacée pendant 5 jours. Oh. Ça se fait. Oh, voilà un objectif qui est réaliste. Oh putain, j'ai passé. Merde, putain. Allez, faut bouger. Ça. Il y a moyen de le niquer là. Presque. C'est quoi cette case là? C'est une case de... La plaine, ça? Ouais. Hop, un peu de force sur la plaine, et puis voilà. Il va aller pleurer chez sa mère. Regarde, ouais, si tu prends une techno de ferme et que ta force ne baisse pas, tu vas pouvoir prendre cette zone. Et les idées, c'est qui le Carthaginois? C'est Nia. Je sais pas pourquoi les Carthaginois sont écolo et pas mercantiles. Et pourquoi les Gaulois sont mercantiles et pas écolo. Je crois que c'était l'inverse avant. C'est con ce que j'ai. Ça sera plus logique que ce soit l'inverse. C'était l'inverse avant et il me semble que ça a été patché. Alors je saurais pas te dire pourquoi, parce que je trouvais pas ça logique non plus. Mais ça a été patché, enfin ça a été inversé. Curieux. C'est vrai que ça saute pas aux yeux. Après, le jeu se veut pas non plus une réalité historique. Oui, de toute façon, le jeu se veut pas historiquement ouais. Fiable. C'est... Ouais, mais la fait est que c'est... Il se veut fun, quoi. Pile deux civs qui ont chacune le truc de... Ah oui, j'ai oublié de passer mon tour. Sablier qui clignote à la fin. Non, bah, serre-toi bien, Damned. Je fais ce que je peux. Zikino qui se fait. Je vais niquer le verre. Je vais niquer. Prends ma sub direct. Je vais le niquer. Regardez comment je vais l'éliminer son unité là. Alors. Arque. Comment ça travaille un peu là-dessus là. Regardez ça. Ouais, il y a des bonnes chances qu'elle crève son lit. Pas fou, mais perso, ça se passe plutôt bien. Ça va, y'a pire. Pour l'instant, je te laisse le breton, puisque je peux pas faire de bateau de façon de ce côté-là. Babylone, dis donc, c'est moi qui t'ai fait dépenser autant de thunes en militaire ou... Bah si, tu crois signe ta ville méditerranéenne. Je suis à 100%. Hein. Bah je peux la faire une flotte là, et après retraverser en prenant la rivière, peut-être. Pour me défendre. Je me demande pourquoi. Il y a pas de raison, franchement, je ne suis pas une menace. Tu as colonisé les baleines. Je ne suis pas une menace. Pas du tout. Tu vas pouvoir avoir des frondes. J'y pense, Damned, tu laisses ton unité là ou tu l'enfonces un peu plus, tu devrais. Bah, je n'ose pas trop bouger parce que j'ai peur que si je bouge, mais peut-être mauvais calcul, il aurait peut-être à droite après été plus fort, du coup. Bah non, il va mais monter si, moi, si une ville à côté de chez moi. Toi, tu le prends immédiatement. Ouais, mais j'arrive même pas à t'y capturer là. Ouf. Bim! Bien joué. Oh là là. C'est pas grave. Ah, on me propose de dissoudre une armée. Ah oui. Oula, le missile, il y va comme un sac là. Ouais. Faut qu'il se détende un peu. Ouais. J'ai des trucs de merde. J'en peux plus. 30. Oh, parfait, parfait. J'annonce, j'ai réduit au maximum les pertes de force. Ah oui. Et
Et ça m'a permis d'avoir mes forces qui coûtent un de moins, parce que c'était une opportunité. Oh, y a... C'est la puissance. J'ai également payé toutes les cases d'océan. Non. Je vais enfin capturer l'estuaire de Londres. Je peux traverser la terre avec un bateau. Mais ça coûte beaucoup plus cher, ouais. Ça coûte effectivement une blinde. J'avais pas vu les Mycénéens qui ont envoyé une giga trirème. Ouais, ils attaquent fort là, les Mycénéens là. Le mec. Et si vous alliez vous occuper d'eux plutôt que de me prendre sur deux fronts là. Ouais. Non, pétez les sites. Damned, si t'allais t'occuper des Mycénéens, tu peux m'emmerder. Déjà, je réduis un peu ta menace et puis après, je réduis la sienne. Bah quoi? Ouais, je sais pas, t'es menaçant. Bah quoi? Je te trouve menaçant. Tu l'es un peu moins depuis que Malvin est arrivé dans le secteur, je le reconnais. Malvin, il a depuis le début, je t'ai jamais menacé. Si le premier tour et depuis... T'as dû mal le regarder à un moment et c'est pas bien passé. Ouais. Je te prends juste ça et après je m'en vais à gauche. Ouais. T'en as pas besoin, ça te sert à rien. Viens nous aider contre les sites là. C'est quand ils se sont rencontrés et il lui a dit bonjour au lieu de salutation. C'est une insulte. Ouais, c'est ça. Voilà. Ah bah t'as fait un bateau en plus. Bah oui, j'ai essayé de me défendre, mais comme j'avais plus de thunes, bah du coup mon bateau il valait que dalle. Voilà. Ouais, bah du coup bah je vais rester par là alors. Faire confiance. T'as raison. Va te faire confiance, cher ami. Ça. Alors. Eh, dis donc, Babylonien, tu veux pas aller faire un tour en Égypte? Regarde, son armée, elle est dans le désert. Et toi, tu veux pas aller faire un tour en Europe, là-bas? Bah si, je veux bien, mais laisse-moi tranquille. Et toi, tu veux pas aller te faire foutre? Non, mais c'était ça, le fond. J'ai bouffé la moitié de mon territoire, là. Je l'ai entendu comme ça. Putain, mais il a 8, quoi. Comment salut, Contamine, merci d'être passé rapidement. On s'amuse bien, ouais. Je pense que on peut dire ça. Ouais, c'est pas mal, y'a rien à dire. Par contre, vraiment, pas, hein. c'est un jeu qui est très bien pour jouer assez nombreux comme ça, en vocal, parce que ça se fait bien, quoi. C'est rapide. Ouais, tu peux discuter, t'as pas besoin d'être hyper focus non plus. Voilà, c'est ça. C'est pas mal. C'est quand même vraiment pas mal, franchement. C'est rare les jeux où on peut facilement se retrouver et jouer en mode stratégie sans trop se concentrer, entre guillemets. C'est super fun. Il y a plein. Après voilà, il y en a qui s'amusent plus que d'autres. Super fun, sauf quand t'es au milieu. Genre Gelden, j'ai l'impression qu'il s'amuse pas trop. Non mais c'est pas ouf là. j'ai quand même été gentil. J'ai bouffé une montagne à Gelden et depuis j'ai respecté ma promesse, je n'y ai pas touché. Ouais, mais moi, t'as pas trop respecté la promesse. Quelle promesse? Bah je sais pas, t'avais dit que t'allais en Europe au début. Ok, alors vas-y, ok, je retire mes troupes, je vais en Europe. Par contre... Ouais, mais moi je veux récupérer ma rivière et mes montagnes. Ah non, la rivière elle est à moi. La rivière, ah voilà. Oh bien sûr. La rivière elle est à moi. Ouais, je suis arrivé, j'ai tout pris, maintenant je m'en vais. Et tu touches pas. Et tu touches pas. Bah non, tu touches pas. Tu ne touches à rien. Je suis bien tenté par la carte, perdre 5 cases sur la carte. Parce que je sens que ça va arriver à un moment ou à un autre. Mais, mais ça veut dire quoi? Étoile ou engrenage gratuit? Une armée. Ou un... Une armée ou un bateau. C'est pas un engrenage, c'est une... C'est un, une la route bateau, voilà, la route bateau, ouais. Un gouvernail. Gratuite. Mais c'était pas très parlant, comme vous avez pu le comprendre. J'ai pas bien compris. En train de bien lui casser les couilles au Carthaginois quand même là. Ça. Voilà. Ouais, le Mycénien il se fait plaisir. Le Mycénien. Il en est... Ah, il a pris. Ah, j'avoue, Contamine, il y a la Dream Team là. C'est pas faux. Attends, fais voir.
Je sais pas si on en fera d'autres contamines, mais il y aura les rediffs de toute façon déjà, ça c'est sûr. Après, est-ce qu'on arrivera à regrouper tout le monde, ça serait cool. En vrai, il y a moyen. Ouais. Lui aussi, ça se dit Amine. J'ai toujours dit Amin. Contamin. Ça se dit Amine aussi. Je l'ai pas vu comme ça. Et d'ailleurs, j'ai régulièrement fait des blagues dans mon let's play. Oxygène le dead. Oxygène le dead. Oui. Bah oui, le contamin, mais le contapier parce qu'il veut... il court vite. Moi. Ah oui, ouais, du gros niveau en plus. Ah oui, la blague qui déconne pas quoi. Ah non, c'est. Et voilà. Ah bon. J'ai cru que quelqu'un avait gagné, mais non. Ouais. Non, quelqu'un a perdu. Mm-hmm. C'est bien aussi. On en est là en Égypte quoi. Si je conquéris une case de plaine, on gagne 62 sciences. On sait même pas ce que c'est quoi. Et c'est quoi une plaine? Putain, mais j'avoue, avant que j'arrive à une plaine, oh la vache! Ouais, on va laisser tomber. Hein. Mmh. Bon, est-ce que je passerai à casser la gueule au mycélien? Ou à Signe? Que je pourrais envoyer ma galère en Méditerranée, mais ça coûterait 39 de bouffe. Ceci étant dit, je les ai. Mais ça te coûte 39, mais ça te coûte 39 juste pour passer la montagne, juste pour passer les Alpes. Ça me coûte 39 pour envoyer ma galère de là où elle se trouve jusqu'à la baie de Venise. Ouais, mais dans l'idée, tu peux t'arrêter partout sauf dans les Alpes. Oui. Je peux pas larguer mon bateau. On n'a pas la prétention. Au sommet du Mont Blanc. En pleine Styrie. Le Mont Blanc, je l'ai pas, c'est encore Stinky là. Mais j'ai la Styrie. C'est-à-dire l'Autriche. Est-ce que je le fais? Ah, ça serait quand même beaucoup plus intelligent pour moi de juste envoyer mon putain de dracard remonter la Seine. Ce serait rigolo, ça. Un signe. Sûrement. Très drôle. Bon. On va faire ça. Ouais, il avait non, vous savez, il y a toujours... Contamine, non, hein. On peut jouer jusqu'à 10 en multi. Là, on a 3 IA. C'est une de la plus grande carte, celle-là. Mais on peut jouer jusqu'à 10 en multi. Et Contamine qui dit qu'il t'a déjà entendu dire Contamin et que ça le dérangeait pas, visiblement. C'est nickel. Il disait que ça avait l'air de t'amuser, donc voilà. Ah, ça m'amuse beaucoup. Tu faisais des petites blagounettes et tout. Ah, merde. J'ai pas fini mon... Qu'est-ce qui t'est arrivé, t'as détruit ton armée? Ouais. Hein? Ah, t'avais une opportunité qui demandait de le faire ou... Ouais, j'avais une opportunité qui me demandait de le faire. Exactement. Ah. M'a fait gagner 100 bouffes. T'as carrément des cartes. Hop. Tu peux dépenser des ressources pour gagner une couronne. Comme ça. Oui. Oui. Ah, ok. Pourquoi Gunshu, lui, il est bien plus fort que moi, là? Il est bien 7 via unité. Ah, la vache. Ah ouais, bah en fait, c'est lui qui va m'éclater. Moi, je peux pas y aller. Ah, les armées peuvent pas aller sur les îles? Et non. Ça dépend comment elles doivent traverser. Elles peuvent pas du tout aller sur les îles? Non. Non, les îles, c'est comme de l'eau. Bon, Damned. Ouais, c'est curieux, mais ok. Damned, ouais. je ressors, mais parce qu'en fait, j'ai besoin de sortir. Parce que ouais, sinon... bien sûr. Ah, oui. Mm-hmm. Ah, oui. Ouais. Mmh. Ouais. J'ai rien à foutre d'aller dans ton désert, j'ai dit dès le départ que j'allais me taper le mycénien. Le problème c'est que le mycénien, si on m'emmerde des deux côtés, bah je vais rien pouvoir en faire. Ouais. Tu le promets, hein? Ah bah, j'ai jamais dit autre chose. Hein. Mmh. Moi j'avais une IA qui était parfaite pour me servir de cible. Elle est rentrée ta femme ou pas? Oui. Rapport. Aucun. C'est pour détourner l'attention. Ok, c'est bon, vas-y, tu peux sortir. Je suis parti tout à gauche. Honnêtement, je suis parti pour mordre chez le jaune. Sincèrement. Bah, moi aussi, c'était un peu mon idée. Donc, on fait ça. Mais ça, c'était avant. Avant que je me fasse défoncer de tous les côtés. C'est vrai que là... Si vous attaquiez l'allemand un petit peu, là, parce qu'il est un peu trop vénère, là, mon goul. Ouais, l'allemand, non. Il s'énerve, hein. Ça, c'est clair. Bah, il vient de sortir une nouvelle flotte là. Ah, il y a le babylonien qui commence à grignoter chez moi aussi. Enfin, non.
Je voulais de la forêt. J'ai même pas vu. C'était oui, en bah, tu m'as cassé les pieds. Comment dire conquérir une case de plaine, bien sûr. Je crois qu'il n'y en a aucune. Si celle du bot, à la limite. On cherche un 5. Ah, ça en fera, je l'en ferai. Alors. Qu'est-ce que. Ah, j'ai atteint l'objectif des habitants. Ouais, je suis pas loin de le faire, mais je suis pas encore. Il y a un objectif qui demande d'avoir 18 de force, mais comment tu. Le pognon qu'il faut avoir pour maintenir ça. Ouais, c'est ça, ouais. C'est un peu chaud, ouais. Parce que ça, ça me que c'est plus facile d'accumuler 6 en HS. Hein. Très bien, Zikino, j'arrive. Tu la joues comme ça, j'arrive. Mais... Aucune case menacée. Ah ouais, Morgan, 3 couronnes quand même. Hein. Ouais. Qu'est-ce que t'attends, Malvin, pour être occupé Comment te dire, j'ai un Cimérien au nord et un Babylonien au sud. Je peux pas... si vous voulez bien mourir en paix, moi je veux... Entre nous, le Babylonien, tu l'as cherché. Hein. C'est pas faux. Mais le Cimérien, j'ai rien demandé. Ouais, c'est cela. Ah, le Cimérien, j'ai rien demandé. Toi, moi, tu vas aller là. Moi, j'ai toutes les réductions de coûts. Oh là là. En plus, il réussit à se la péter avec ça. C'est... Bah, c'est Morgan qui va nous défoncer. Non, alors, ouais. Pourquoi je suis bureaucratique. Réduire les pertes me coûte 30% de moins. Ah, ça c'est juste mon bonus. Ouais, c'est pas mal, ouais. Ça reflète pas partout. Surtout pour le militaire, comme tu l'as rushé, je comprenais pas. Mais effectivement, 70 au lieu de 100, c'est plus facile déjà. Ça aide, ouais, ça aide. Pour le militaire, le fait est qu'on m'a offert une opportunité. Oui, mais du coup, tu la rushes quand même. Oui. Ça. Ah merde, j'ai oublié de déplacer ma flotte. Tant pis. Genre, ça t'ennuie quoi. Tu vas prendre 3 cases au signe. Oh là là, c'est vraiment très. C'est non, pas l'autre. L'autre flotte. Non, c'est l'autre flotte, ouais. Non, t'inquiète pas, je pensais pas à la flotte qui est dans la scène. Elle est très bien à la West Room. Ça me rassure. Le signe est en galère, hein, comme à la première partie d'ailleurs. Ça me coûte J'ai jamais dit que j'étais pour un en plus, donc. Ah non, mais j'ai pas dit que t'avais dit que. J'avais dit que. C'est alors. Ah non. Alors. Je vais me défendre. Wouhou. Conquérir une case de désert. Babylone, est-ce que je peux traverser chez toi, aller prendre un désert et te l'emmener après? Non direct quoi. Pourquoi? Non. Pourquoi? Casse-toi. T'es pas très gentil. Ouais. Ça... Non. Personne m'a demandé d'être gentil. Bon, signe, je m'en vais. Mais. Mais tu restes où t'es, d'accord? D'accord. J'adore faire ça. Allez, ouais. Question réponse. Je pense que vous avez remarqué. Non. Ouh, ça c'est bien ça. Ça c'est bien ça. On va prendre ça. Ce que j'aime bien, c'est que Damned, il dit... Je reviens, je vais me chercher un peu d'eau. Il voulait se coucher tôt.
Ah, mais oui, j'ai pris dans le truc, le là. Pas, moi. Ouais, c'est ça, vous êtes chiant avec votre jeu. J'ai une vie, moi, à côté. Hein. Bah, et moi donc. Bah, apparemment pas. Comme je vois l'heure, j'ai un peu peur. Ah ouais, c'est... Waouh, en vrai, c'est bon, Morgan, il va conclure hein, bientôt. Ouais, Morgan, il a bien tiré son épingle du jeu, là. Ouais. Alors que Malvin, il s'enfonce, il s'enliesse dans un conflit... Sur trois fronts. Et encore, il a de la chance, Vikino n'en rajoute pas une coupe, mais... Ouais, j'ai un peu arrêté récemment. Oh, mais putain, tout le monde a... Ah, mais t'étais en grillage, je voyais pas. Ok. Bon, bah oui. Ah oui, perdre 5 cas sur la carte. Non, mais refuser les deux, c'est... ça, même chose. Pourquoi je l'ai pas prise, là? Putain, mais... Vous m'emmerdez, lui, le Babylonien. Et le site, sérieux. Ouais. J'irai même pas assez. Alors, je pense plus savoir qu'en faire. Mais oui, je suis d'accord, je pense qu'il va être tranquillement temps de s'arrêter là. Il fait tard. Non. Plusieurs à bosser. On peut pas la sauvegarder. Je suppose que si, mais après à reprendre. Bah, ouais, j'ai pas l'impression, hein. Monde. Je peux quitter ou abandonner, quoi. Alors peut-être que si je quitte, ça sauvegarde un truc, mais j'ai pas souvenir d'avoir vu le moyen de charger la partie. Ensuite, faut pas oublier qu'on est en pré-release, on n'est pas non plus. Oui, on n'est pas sur la version finale, et puis bon, c'est vrai que c'est un jeu qui est pas fait pour être forcément sauvegardé, quoi. On sait faire tes petites parties, mais. Sachant qu'il y a un mode de jeu multi où tu peux carrément faire des parties en asynchrone, quoi. Ouais. Ouais, je pense tu laisses deux jours par tour, quoi. Ouais. Je sais qu'en solo, on peut sauvegarder. Oui, j'ai l'impression. Il y a une option même, sauvegarder à la fin de chaque tour en solo. Ah. En mode Iron Man, quoi. Non, justement. À chaque tour, tu sauvegardes. Ouh, j'ai pris une case. Recule, Kaden, recule. J'ai appris. Mais non. Tu dis non, mais tu recules. Je suis obligé. Mais je veux pas. Ah, écoute, t'avais qu'à pas m'attaquer. Merci. J'ai fait quoi? Non. Ça... Ouais, en tout cas, quand on m'a dit oui, une partie ça dure une heure, Ouais. Bah, en solo, oui. Mais ouais, Davistos, merci à toi d'être passé et bonne soirée. Et je pense que de toute façon, effectivement, merci. On va s'arrêter là. C'était franchement sympathique. C'est vrai qu'on se laisse prendre au truc là, hein, mais bon. Ouais, prochaine fois, faudrait commencer à 21h et faire une vraie partie du début à la fin. Ouais. Une seule. Commencer un peu plus tôt. Une seule. Commencer un peu plus tôt aussi. Mais bon, déjà qu'il y en a qui galèrent à arriver à 21h, alors plutôt, je pense que ça va être tendu. Mais... Plutôt c'est tendu, ouais. Il y a des gens qui ont une famille, les gens. Mais... Ah, bah oui, bah quelle idée. Ah aussi, non, hein. Mais après les détails, quoi. Il y a des gens qui ont des congélateurs aussi, hein. Même si couronne, c'est trop, en fait, c'est trop long. Des gens qui ont des congélateurs. Oui. Ouais, si couronne, c'est beaucoup. Si couronne, bah, peut-être, c'est beaucoup. Peut-être, peut-être. Ouais. C'est moi qui ai proposé, j'avoue que c'était pas une bonne idée. 5 voire 4 couronnes, ce sera mieux. Ouais, je pense que ça se fait bien en tour à 2 minutes, c'est comme ça, je pense que ça se fait non, bien. Morgan a clairement gagné, voilà. Mais même moi qui suis en très bonne position, là, si je voulais atteindre 6 couronnes... Ça te prend un peu de temps, hein. À moins qu'il me donne des opportunités qui permettent d'acheter des couronnes comme ça. Je suis pas si loin que ça d'en avoir 4, donc on va dire que je suis deuxième, voilà. Voilà, allez, ça m'arrange, merci, tu peux couper là, hein. Eh ben, je coupe là. Si vous voulez revoir la VOD, n'hésitez pas. Merci à tous ceux qui sont passés dans le chat, j'espère que ça vous a plu. Et puis, on verra si on peut se refaire ça. De toute façon, on aura des petites notifs sur les différents Discord à droite et à gauche de Goblins et compagnie. Et puis, on se dit à très vite pour la suite. Ciao tout le monde. Bye. Salut. Adieu.